Ceci est le programme de proximité des ministères internationaux d'Evêque Zachary Kakobé. Continuez à observer. Cette croisade miracle était la une du jour dans les journaux et les bulletins de nouvelles de toutes les stations de télévision et des radios de la ville de Lubumbashi. Quelques stations de télévision et des radios, à leur propre coup, ont porté la transmission en direct de la croisade quotidienne. Enfin que vous puissiez obtenir une image vivante de ce qui s'est passé dans la couverture des nouvelles, prenez un coup d'œil au bulletin de nouvelles suivant, diffusé par une station de télévision séculaire appelée TV Mwangaza. Tout a commencé par l'animation des différentes chorales de la place au stade Omnisport de la Kenya. Les autorités provinciales, entre autres le représentant du gouverneur du Katanga, le maire de la ville de Lubumbashi, Madame Marie-Grégoire Tambila, ont été chaleureusement accueillis. Enfin, la délégation de l'hôte du jour, le bishop Zachary Kakobé et son épouse, a fait son entrée. Prenant la parole, il a parlé du secret de recevoir les miracles de Dieu. Message tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11, Corinthiens 2, 5 et 13. Et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, où Jésus transforma l'eau en vin. Une forte prière s'en est suivie. Plusieurs handicapés physiques ont marché par la foi en Jésus-Christ et des démons sont sortis. La grande croisade miracle vaut son pesant d'or à Lubumbashi, a souligné le maire de la ville. Propos relayé par des fidèles présents au stade de la Kenya. Ici sur terre, mais si on donne le temps à Dieu, c'est merveilleux. C'est une occasion pour moi de glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour la province du Katanga. Il était temps qu'on puisse encore élever notre Seigneur Jésus à Lubumbashi parce qu'il était vraiment temps avant 50 ans de notre anniversaire de l'indépendance. Il fallait vraiment que les Congos. C'est au nom du gouverneur de la province du Katanga que son représentant a remis une enveloppe de 5 000 $ américains au président des églises Corps du Christ, le pasteur Tshibambe, somme qui contribuera au logement du bishop Zachary Kakobé. Chers spectateurs, ceci est seulement une partie de ce qui s'est passé dans cette mission. Vous serez encore plus bénis si vous regardez tous les proximités programmes des ministères internationaux d'évêque Zachary Kakobé. Merci de votre fidélité et au revoir.